Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur The Division 2. Je tourne cette introduction à cet épisode parce que je n'en ai pas assez parlé, malheureusement, je m'en rends compte maintenant. Dans le style de jeu, je ne suis pas un joueur qui vous proposera du contenu parfait. Je ne suis pas un joueur qui vous proposera ce genre de build parfait. Parce que ça, pour moi, honnêtement, c'est un build dégâts qui est parfait. Moi, ce n'est pas mon style de jeu. Ce n'est pas ce que je vous proposerai sur la chaîne. Il y aura toujours des défauts, il y aura toujours des erreurs. Mais j'essaye de rester sur l'ambiance fun, sur l'ambiance agréable. Euh, et j'essaye de proposer quelque chose qui puisse s'adapter à tous les joueurs, qui puisse être refait par tous les joueurs, tel que euh, le build euh, dégâts de compétence axé sur le rigueur, par exemple. Ou autre, c'est à vous de voir un peu ce que vous voulez créer, etc. Mes, as mes astuces ne seront pas parfaites, mais elles sont présentes. Et c'est ce que j'essaye de vous proposer dans cet épisode. Si jamais vous avez d'autres points de vue, n'hésitez pas à les donner en commentaire, en restant poli dans l'idée. Euh, tout ce qui est insulte, je n'accepte pas, hein. bien sûr, ça n'a pas lieu à avoir sur YouTube, sur un réseau social qui est là pour proposer du contenu agréable, pour proposer quelque chose de sympa. Donc, voilà, dans l'idée, il faut rester correct. Et si jamais vous avez un doute sur ce que je raconte dans l'épisode, si vous trouvez que c'est trop long à regarder, n'hésitez pas aussi à regarder en description vous aurez euh, le résumé de ce que je raconte dans l'épisode. Bien sûr, c'est un résumé, hein, bien sûr, il euh, ne faut pas déconner non plus. Euh, ce que je vais raconter dans cet épisode sera la plupart du temps illustré tout le long de l'épisode pour que vous ayez un contenu euh, avec euh, précision, ces propositions précision dans l'idée. J'espère que cet épisode vous plaira. N'oubliez pas, c'est pas parfait, c'est loin d'être parfait. Je ne suis pas comme le joueur euh, ou la joueuse que je vous ai montré euh, au tout début qui a un build qui fait 200 200% de dégâts et à chaque fois qu'elle tue au pistolet c'est 400% de dégâts en plus ah non j'ai pas ça moi j'ai pas ça et je sais pas encore faire ça dans, dans l'idée ah, bref non mais elle fait plus que ça non c'est assez fatal attendez juste par curiosité euh, après je vous laisserai sur l'épisode euh, parce que je viens de tiquer qu'il y avait un truc encore plus violent sur son build en fait euh, oui, j'ai pris heure sombre tant sur raid parce que là, elle a 200% de base, plus 20% de dégâts des headshots, plus euh, 8% de dégâts des protections. Et son build, d'ailleurs, reste dans, le, dans ce que je vous ai présenté. Donc, elle a joué un build là, qui sera plus axé sniper-fusil, donc dégâts des headshots, etc. etc. voilà, bref. Donc, c'est axé sur exactement ce que je présente dans l'épisode. Ça, c'est un build... Ça reprend ce que je dis. Un détail près, mais bref. Voilà. Donc, oui, j'ai oublié de parler euh, du, euh, des armes, des, des pièces spécifiées, mais bref. Ça c'est un sujet plus spécial puisque c'est des pièces qui s'obtiennent pas facilement facilement. Euh, mais si vous avez des pièces qui correspondent en spécifié à ce que j'énonce dans l'épisode, n'hésitez pas à les utiliser. Bon allez, moi je vais m'arrêter là, j'en peux plus, il faut que j'aille me reposer. Donc je vous souhaite un bon visionnage d'épisode. Euh, si jamais j'oublie un truc, hein, euh, restez correct en, et mettez-le en commentaire, moi ça m'arrange. Je préfère le préciser parce que j'avais eu le souci sur un épisode précédent il y a longtemps. Ça partait en insultes assez copieuses en commentaire, les commentaires ont tous dégagé. Bon allez, je vous abandonne. Je vous abandonne à la vidéo, hein, bien sûr. Vous avez une vidéo de 40 minutes qui est très intéressante derrière. J'espère que ça vous plaira. Et j'espère aussi que ça vous aidera hein, dans l'idée, puisque cet épisode est là pour aider ceux qui auraient des problèmes avec les builds. Ceux qui débuteraient Division, ça peut peut-être vous aider. En tout cas, je l'espère. Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur The Division 2. Je vais parler build pour cet épisode, mais d'une manière un peu différente euh, que celle que j'ai abordée d'habitude. Sachant que d'habitude, je vous parle de build déjà construit. Enfin, de proto-build déjà construit. Là, on va parler un petit peu, on va rester dans la même ambiance de proto-build, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas parfait, qui va sûrement évoluer aussi en partie parce que je tourne le 11 mai avec la mise à jour. Il y a une mise à jour qui risque d'arriver bah, d'ici à peu près 9h, 9h après le tournage de cet épisode. Euh, 11 mai, minuit 19, hein, pour vous donner une idée, mise à jour annoncée dans 9 h 15 machin, bref, 50 minutes je crois. Donc, je ne sais pas trop ce que ça va donner, mais j'ai quand même essayé de vous proposer les bases de construction de Bien. Beaucoup d'autres joueurs proposeront quelque chose de plus construit que moi, peut-être de plus évolué, de plus développé que ce que je peux vous proposer là. Mais je vais quand même essayer de vous proposer quelque chose qui vous permettra d'arriver à un niveau correct. Quand je parle de niveau correct, ça veut dire tenir en solo. En héroïque, euh, tenter du légendaire à 4, du raid en découverte à 8, euh, et tenir un tout petit peu avec du raid les, du raid normal à 4. Ouais, parce que la dernière fois que j'ai fait ça, on n'a on a pas tenu beaucoup. C'est-à-dire qu'on n'était pas équipé pour. Bref, surtout on était 4. Mais bref, là n'est pas la question. Donc, sur Division 2, on va retrouver dans les sets d'armes euh, 3 types principaux d'armes. Euh, d'armure, pardon, trois types principaux d'armure. Les armures euh, qui sont axées sur les dégâts euh, avec des, des attributs rouges, les vies avec du bleu et du tiers de compétence avec du jaune. Et c'est en fait un peu les trois types de builds qu'on va pouvoir vous proposer. Ce sont ça les bases. Et par la suite, je précise, on partira sur du plus développé avec d'autres builds existants type hybride. Euh, sachant que je n'ai pas fait tous les hybrides, hein, j'en ai fait que un ou deux que je vais essayer de vous présenter. Et on finira par du euh, plus complexe avec euh, un build complet, travaillé. Dans l'idée, sur les bases, on va commencer déjà par le build dégâts. Le build DPS classique, avertissement, ce build pose un problème, il est très difficile à jouer. Parce que sur un build DPS, vous n'aurez pas de vie. Vous n'aurez pas de vie, vous serez couché en quelques secondes. Euh, si j'avais fait de la place dans l'inventaire, ça aurait été plus simple, bien sûr. Petit peu de place rapidement. Parfait, ça fera assez de place. Et donc, illustration avec un gros build dégâts que je vais essayer d'équiper. On va l'illustrer. Je suis un héroïque. Non, c'est pas celui que je voulais, pardon. C'est ce. Il est où Putain, j'ai perdu. C'est celui-là. Voilà. Donc, ça, c'est un build dégâts classique avec que du rouge. Hein, c'est maximisé sur le rouge. Vous allez voir, en 10 secondes, si je fais pas attention, je suis couché. Ça va très vite. Mais si on fait un minimum d'attention, on va pouvoir éliminer suffisamment d'ennemis rapidement. Pour ne pas être couché en moins de 5 secondes, quoi, dans l'idée. Bien sûr, chacun de mes propos sera illustré. Chacun des builds sera présenté vite fait. Voilà. Donc le gros défaut du build, on va aller voir le, le ravitaillement. Je vais juste passer à côté, vous allez voir que je suis couché en 5 secondes. Je ne vais pas tirer, c'est volontaire. Ou je vais juste tirer juste pour leur dire coucou je suis là. Voilà, on va juste leur tirer tout de suite dans le dos. Coucou je suis là. Donc voilà, les dégâts ça va très vite. Mais si je joue juste en restant debout. Mais putain mais ils sont cons Non mais ils sont débiles, hein. excusez-moi. Hein. Voilà, je perds la vie de très vite. J'ai pris deux balles, j'ai déjà perdu la moitié de mon armure. Mais comme vous le voyez, euh, si on fait un peu attention en fait on va pouvoir gérer facilement les ennemis et les éliminer petit à pied. Ce n'est pas le meilleur build, je vous l'accorde, il y a bien mieux. Mais ça se joue, c'est fun, c'est bourrin, c'est agréable. C'est pour ça que j'aime bien ce type de build. Voilà. Et le problème, ça reste ça, c'est qu'il n'y a pas de vie. J'ai pris, en tout, j'ai dû prendre 10 balles. 10 balles, je suis couché. C'est le problème d'un build DPS. Mais si jamais vous voulez en créer un, vous avez moyen d'adapter, etc. Sachant que pour créer un build, quel qu'il soit, il faut prendre en compte un propos qui est hyper, hyper important. Un build doit être une création personnelle. Quand vous créez votre build, vous devez l'adapter à votre manière de jouer et pas à la mienne. Par exemple, le build que j'ai équipé actuellement, c'est celui que j'appelle le proto-souffrance. C'est un build qui est axé sur le sacrifice, où on prend tarif en dégâts. Je prends 60% de dégâts en plus, mais j'ai 30% de dégâts permanents en plus. Et sur le vigilance parfait, 25% de dégâts de base. Sauf si je prends une balle. Dans l'idée, ce build-là, si vous vous sentez pas de le jouer, ne le jouez pas. Voilà. Ça c'est l'idée. Et donc, tous les builds DPS vont être axés à peu près sur le même principe. Dégâts des armes au maximum. Et après, il faut augmenter les dégâts grâce aux attributs secondaires. Donc dégâts des armes c'est attribut essentiel. Et pour augmenter euh, les dégâts. Il y a moyen de les augmenter grâce à la probabilité des critiques et le dégât des critiques. En moyenne pour avoir un bon build probabilité des critiques, débat des critiques, c'est ça. Ça, ce sont des stats de base, 48% de proba, 165 de dégâts. C'est pas mal. Une balle sur deux fera 165% de dégâts en plus. Et si jamais vous voulez jouer plutôt sniper. Vous pourrez mettre de la probabilité et du dégât des cristiques, mais il va falloir penser à mettre du dégât des headshots, du dégât des tirs dans la tête. Plus vous aurez de dégâts des tirs dans la tête, plus un build sniper sera efficace. Là, par exemple, je suis à 217% de dégâts des headshots. Illustration là aussi, grâce au, au chantier. Donc, pour un build dégâts, l'idéal, c'est vraiment de maximiser le rouge. Plus vous maximiserez le rouge, plus vous aurez de dégâts, hein, c'est basique. Euh, pour le build sniper plus il y a de dégâts des headshots, mieux c'est sachant qu'un build sniper on se fout qu'il ait un pas de vie hein, dans l'idée puisque si on joue rp sniper il faut le jouer à distance un sniper doit pas rester au corps à corps sinon il est mort un sniper doit rester à distance et plus il fera de dégâts mieux ce sera par exemple le mantis ici présent en dégâts des euh, bah, oui, mais c'est pas affiché correctement mais euh, à l'écran on a vu s'afficher 7 millions de dégâts euh, le compteur, euh, ce compteur, je m'en sers plus, il est complètement fucké, hein, honnêtement. On va essayer de faire correctement. Voilà. Ça, c'est du gros dégât. 20 millions de dégâts, la balle. C'est quelque chose de très efficace. Et je suis moi-même étonné d'avoir fait autant de dégâts. <laughs> je savais même pas que je pouvais faire ça. Donc, dans l'idée, un build dégâts doit maximiser vraiment les dégâts pour faire le plus mal possible. Mais il faut faire attention, parce qu'il n'y a pas de vie. Oh putain, c'est vrai. Ce jeu est fucké, sans déconner. On revient sur le premier build. Celui qui a vraiment pas de vie. C'est pareil. 2 millions pour le big horn. Et je suis entre euh, 300 000 et... Euh, enfin 200 000. Et 500 000 la balle. Voilà. Je peux encore augmenter légèrement, voilà, 700 000. Je peux pousser jusqu'à 700 000 la balle, voire 800 000 selon les conditions. Sachant que mon arme de base fait 100, 127 000 de dégâts. Voilà, donc je suis à 700%. Donc, voilà, le build dégâts. Pour le faire de manière la plus efficace possible, dégâts des armes, probas décrites, dégâts décrites. Et si vous voulez encore augmenter vos dégâts, pensez à prendre des gants du type des Fenris, qui vont rajouter du dégâts des fusils d'assaut. Ensuite, il y a des Sokolov pour les pistolets mitrailleurs. Des Heraldi pour les fusils de précision. Il y a du. du, 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 du comment ça s'appelle Overlord pour les fusils. Euh, après, si vous avez de la chance, vous pouvez tomber sur un, une bonne pièce de la marque Bagdair pour les fusils à pompe. Et je sais pas si j'oublie un truc. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout. Donc de base c'est ça. Il faut penser à augmenter de base proba décrit, dégâts d'écrit, dégâts des armes, et à rajouter les pièces spécifi spécifiques pardon, pour le dégât des armes. Le principe reste le même pour les builds de compétences. Un build compétence du full jaune. Il existe là aussi plusieurs versions, sachant que chacune des versions va demander, va demander euh, du tiers de compétence. Il, il y a plusieurs moyens d'atteindre le tiers maximal de compétences. Soit en jouant avec la spécialisation, l'artilleur qui est très bon, soit en jouant avec des armes secondaires. Je vérifie que ce soit pas... Je vérifie les noms, excusez-moi. Voilà, parfait. Donc soit en jouant avec la spécialisation qui rajoute, euh, une fois qu'on a bien avancé, un point de compétence d'office, soit en jouant avec les armes secondaires, avec le... Le le, 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 le TD1 card personnalisé qui rajoute un tiers de compétence. Soit en jouant avec les tiers de compétences intégrés sur les armes, sur les armures, pardon. Et ici, tiers de compétences plus 1. Et plus vous aurez de tiers de compétences, plus vos capacités seront performantes. L'attribut secondaire qui est pour moi le plus important, quel que soit le build compétence, c'est la récupération de compétences. Parce qu'il sera commun à tous les builds compétences que vous verrez, que ce soit un build contrôle, que ce soit un build dégâts des compétences, un build soin, n'importe quel build va s'axer sur la récupération de compétences. Et après, il va falloir adapter le reste en fonction de ce que vous voulez faire. Si vous voulez jouer dégâts de compétences, vous prenez du dégâts de compétence en plus. Si vous voulez jouer de l'effet d'état, vous prenez de l'effet d'état. Si vous voulez jouer soin, vous prenez du soin. Excusez-moi, j'ai vraiment un problème avec cette zone. Ça, c'est une porte, merci. Voilà, on va se mettre dans les cartons, on sera bien. Donc, si vous voulez jouer du soin, vous prenez du soin, etc. Donc, chaque build va demander une capacité spécifique. Donc ici, euh, là vous avez un build soin, accès compétence de réparation sur toutes les pièces, compétences de réparation et récupération de compétences. Sauf celle-là que j'ai changée comme un PU que j'ai oublié de rechanger. Mais en gros, compétences de réparation et récupération de compétences. Ça faudrait que je vous remette. Et pour l'effet d'état, c'est pareil, effet d'état, récupération de compétences. Prenons le dégât de compétences classique. Vous avez ici plusieurs versions qui existent. N'hésitez pas à regarder les builds d'autres joueurs. Vous verrez qu'il y en a qui le jouent avec des pièces entièrement jaunes. Ou vous pouvez le jouer avec des pièces vertes. Il faut ici pareil regarder les attributs, les éléments de marque qui vont vous donner du dégât de compétence chez Wyvern. Ici, vous aurez de la récup de compétence, de la durée de compétence, et vous aurez donc l'effet qui rajoute du dégât en interagissant avec une capacité. Sur les pièces rigueur. Euh, Est-ce que j'en ai sur moi Il y a du protocole Eclipse qui va rajouter de l'effet d'état, la récupération de compétences et de la protection contre les altérations d'état, qui peut être très intéressant aussi à jouer. Et il y en a une autre que j'ai perdue bien sûr, comme je suis un clampin. Donc la réserve. Et il existe, il existe aussi du futur initiative qui sera axé sur la compétence de réparation. Ce sont des exemples. Tout ce que je vous propose là, ce sont des exemples. Il y a moyen de les adapter comme vous le souhaitez. Pensez à bien regarder donc l'ensemble de marques, l'attribut essentiel et l'attribut. En, en priorisant la récup de compétences et après ce que vous voulez faire. Si vous voulez jouer dégâts de compétences, si vous voulez avoir une tourelle et un drone, vous prendrez du dégât de compétences. Si vous voulez jouer au lance-flammes, vous prendrez de l'effet d'état. Si vous voulez jouer avec le soin, vous prendrez de la compétence de récupération. C'est la base. Et donc en général un build compétence se jouera un peu moins bourrin qu'un build DPS. En général, vous jouerez à couvert et vous, vous utiliserez vos armes pour augmenter vos dégâts de compétence. Comme le capacitor ou l'harmonie par exemple. Qui vont augmenter vos dégâts de compétence à chaque fois que vous tirez. Vous le voyez en bas de mon écran, il y a des effets qui s'activent. Et les dégâts de la tourelle Les dégâts de la tourelle s'augmentent. J'étais en train de regarder. Voilà. Voilà, donc là je suis passé de 100 000 à 126 000 en tirant quelques balles. 139 000. Le but d'un euh, build dégâts de compétence, ce sera ça. D'accord, j'ai rangé la tourelle, ok. Le build soin fonctionnera à peu près de la même manière. Vous jouerez à l'abri. Et il faudra soigner vos, vos alliés en restant en arrière. Les builds compétences se joueront la plupart du temps en arrière. Parce que ce sont des builds qui n'ont pas beaucoup de vie. Et qu'il va falloir protéger. Et qu'il faut. En fait, ce sont des builds contrôle en fait, qui sont là pour contrôler la zone, en gros. Et pareil. Euh, J'ai fait une connerie, je vais pas pouvoir aller chercher Marlowe, je vais me retrouver dans la merde, Bref. Ah non, ça va. Voilà, donc les builds compétences se joueront souvent en arrière et à l'abri. Poseront le même souci que les builds dégâts, pas de vie. Mais comme eux se jouent vraiment en arrière comme un build sniper, c'est moins problématique. Et ensuite, si vous avez un problème de vie, vous pourrez jouer un autre type de build. Ce sont des builds tank, Ce que j'appelle un build tank, c'est un build qui est là juste pour être solide. Là, il y a une variante qui existe. On en parlera plus tard, ce sont les builds hybrides. Builds hybrides qui sont un peu un mélange, bah, ils sont un mélange de builds en fait. Donc, un build tank, il y a plusieurs versions possibles. La mienne a été construite en suivant un principe le principe du jeu reste le plus longtemps possible au milieu du terrain. Il n'y a pas d'autre but à ce build. Après, sur un conseil qui m'a été donné, euh, malheureusement j'ai perdu le pseudo parce que je suis une tête de linotte et que je ne retiens pas les noms, je m'en excuse, euh, j'ai essayé d'augmenter au maximum les dégâts, sachant que la meilleure solution que j'ai trouvée pour le moment, c'est d'augmenter le dégât des headshots. C'est un build qui va se jouer au bouclier, donc quand on va arriver face à des ennemis, on va sortir le bouclier et avec le pistolet, on va augmenter, on va essayer de tirer pour faire le plus de dégâts possible. Voilà, donc 300 000 de base, dans la tête c'est plus difficile de viser, je suis à presque un million. En général, je suis un million de dégâts dans la tête. Ce build-là est axé sur le principe d'avoir le plus de vie possible, le plus de résistance possible, donc protection contre les altérations d'état, résistance aux explosions, santé et protection. Sachant que l'attribut essentiel restera la base pour un bon build tank, 170 builds de protection, c'est un peu l'idéal. Et après vous l'adaptez comme vous le voulez. Si vous trouvez qu'un build comme ça ne fait pas assez de dégâts, vous pouvez rajouter des dégâts, vous le voyez. Mais le but d'un build juste tank, c'est de tenir tenir la position. Sauf qu'il y a aussi un détail à connaître. Excusez-moi, la ruche me gonfle. Un build, euh, enfin sur sur The Division, les mobs, les mobs dans les boss vont fonctionner sur un principe d'agro qui fonctionnera au dégâts. Plus vous ferez de dégâts au boss, plus vous récupérez l'agro. Il faut penser à ça quand vous créez votre build tank, puisqu'il va falloir faire quand même un minimum de dégâts pour pouvoir prendre l'agro et permettre aux DPS qui sont autour de vous de tenir le coup. C'est le but réellement. Donc pour moi un build tank ça doit se jouer un peu comme ça. Euh, sachant qu'il faut quand même attribuer essentiel protection et après vous augmentez les dégâts comme vous le souhaitez. Bref, le build tank c'est pas le build que je maîtrise le mieux, ça se voit et je m'en excuse. Et donc maintenant on va partir sur les alternatives pour avoir plus de dégâts. Il existe plein de versions différentes, les miennes ne sont pas les plus optiques, j'en suis certain. Mais une de celles qui fonctionne le mieux c'est celle-ci, c'est un build hybride. Build qui va mélanger deux types d'attributs, ici vie et dégâts, axés sur les principes cités précédemment c'est-à-dire du dégât des critiques et de la probabilité des critiques pour atteindre un ratio à peu près équivalent de 41 pour 155. Et j'ai rajouté aussi de la vie avec 170 000 de protection sur 3 pièces pour passer de 1 million à 1 million 4 de vie. Ce n'est pas l'idéal mais ça me permettra de tenir plus longtemps et grâce aux dégâts que j'ai rajoutés derrière d'infliger suffisamment de dégâts pour éliminer les ennemis face à moi. C'est un build qui se jouera de manière un peu bourrin. Et comme je le joue souvent solo, je rajoute encore plus de protection à l'aide du bouclier. Bouclier qui va me donner ici 3 millions de PV en plus, 3 millions 4 de PV en plus. Comme j'ai 3 tiers de, euh, de vie, j'ai 3 tiers de bouclier. Il existe plusieurs versions pour jouer ce genre de build hybride. Vous avez des versions compétence et vie que je ne joue pas, compétence et dégâts ou autre. Vous choisissez la vôtre, sachant qu'un build hybride doit être aussi une création personnelle, c'est à vous de l'adapter comme vous le souhaitez. Et je précise que les builds hybrides sont loin d'être les plus simples à jouer. Puisque contrairement à un build DPS, vous allez perdre du dégât. Si vous êtes aussi doué que moi, vous perdrez très vite du dégât. Dans l'idée, je ne sais pas réellement les jouer, je ne m'y suis pas réellement intéressé, c'est pas le build qui m'intéresse le plus. Et donc vous éliminerez les mobs plus lentement. Et le problème c'est que si vous éliminez les mobs plus lentement, vous aurez un souci derrière, c'est que les mobs pourront vous éliminer plus vite. Voilà. Bref, donc ça c'est un bon build, le build hybride va rester un très très bon build. Puisqu'il va être axé sur le même principe, le principe d'avoir de la vie et du, et du dégât. Avec par exemple ici les euh, Foundry Bulwark qui vont rajouter protection totale, régène de protection, santé de bouclier. J'ai un, un ordi qui est con pour ça. Et quand je subis des dégâts, soit moi, soit mon bouclier, 20% de ceux-ci sont réparés sur 15 secondes. Voilà. Donc c'est un build qui est, euh, qui est créé pour avoir de la vie, mais quand même faire un minimum de dégâts. Et si jamais vous manquez d'idées pour aller voir des builds, vous voyez des joueurs. Euh, vous regardez dans les zones, dans social, ouais euh, le niveau 3000 est parti, merde je voulais montrer le build du niveau 3000 parce que quand il y a des gros niveaux il y a des builds qui sont très beaux à voir, très sympa à voir donc je vous conseille d'aller jeter un petit coup d'œil de temps en temps sur ces builds, c'est toujours intéressant c'est comme ça que j'ai créé mon proto souffrance euh, proto souffrance qui était à l'origine d'un build sniper que j'ai passé en dégâts de corps à corps comme un pégu enfin, bref Donc pour créer un build hybride le principe c'est ça il va falloir s'adapter donc un peu comme je l'ai cité précédemment, utilisez les euh, ensembles de marques, les attributs essentiels et attributs, et ne pas oublier les talents qui sont aussi très importants. Les talents qui vont vous permettre de vous adapter, de travailler autour d'un style de build. Par exemple pour l'hybride, vous, vous verrez, si jamais votre hybride ne fait pas assez de dégâts, vous utiliserez un talent tel que le Force Irrésistible, tel que le Vigilance, tel que le Canon de Verre, qui vous rajouteront du dégât d'une manière assez conséquente. Le Force Irrésistible, plus vous allez tuer, plus vous allez faire de dégâts. Et au bout d'un moment, vous arrivez à 25% de dégâts supplémentaires. Le Fierté de joué va rajouter du dégât. Parce que dans son talent, il va avoir l'avantage sanglant qui donne un effet de saignement sur les ennemis proches, quand on leur tire dessus. Donc le but va être de mixer les attributs essentiels, les attributs comme cités précédemment, et de rajouter les talents des armes, en fonction de ce que vous voulez jouer. Par contre, attention, il y a certains talents qui peuvent être assez pièges. Le meilleur piège, c'est le backfire. Le backfire, plus vous tirez, plus vous chargez un effet de sensu, le paiement en nature, plus vous chargez cet effet, plus vous prenez de dégâts. Au rechargement, vous subissez un saignement de 10 secondes, infligeant 0,5% des dégâts de la protection par effet cumulé. Donc si on fait beaucoup de dégâts, on, vous, on prend tarif quand on recharge. C'est un piège, il faut s'adapter au tour, il faut, faut le trouver, il faut s'adapter au tour. Donc il faut toujours regarder les attributs, euh, les talents. Les talents sont très importants puisqu'ils vont, vont vous gérer un build, mais ils, vont, ils peuvent aussi vous poser problème. Donc gérez-les bien. Il y a aussi un autre talent, euh, le canon de verre ou le canon de verre parfait, qui est hyper piégeux, qui est une vraie saleté. Et il faut savoir le jouer. Le canon de verre parfait, 30% de dégâts, 60% de dégâts qu'on prend en plus. Donc, sur un build comme celui-ci, si je mets un canon de verre parfait, au lieu d'avoir 1,7 million de vie plus 3 millions, euh, donc j'étais à 3,3 millions ,3, plus 1,7 million, ce qui fait 5 millions, euh, vous divisez ça, euh, vous, vous enlevez 60%. Donc, sur ce build-là, avec le canon de verre parfait, ça donnerait exactement. Je ne veux pas dire de conneries et je ne suis pas un, un, apte à calculer ce genre de trucs de tête. Voilà, donc on divise la vie euh, par deux, hein, on est à 2 millions de vie. 2 millions de vies, de base sur un build qui en avait 5 millions. Sur un build DPS qui a 1 million de vie, ah, si en comptant le bouclier euh, ouais, 2 millions de vies en comptant le bouclier, on passe à 1 million de vies. Dans l'idée, il faut bien faire attention aux attributs, bien voir où vous voulez aller. Si vous voulez jouer des gars, il y a des attributs qui peuvent être enfin des, des attributs des talents, je vais y arriver, excusez-moi pour l'échange. Il y a des talents qui peuvent être excessivement intéressants à jouer ensemble. Mais ça, je ne vais pas tout vous dire non plus. Ça va être à vous de faire un petit peu vos recherches, à vous de voir un petit peu. Et n'hésitez pas à regarder dans les bibliothèques de talents, ça peut être très intéressant. Donc dans les talents intéressants à jouer, il y a sur le torse. Euh, il, est il est où Il est où, il est où, il est où Voilà, donc il y a le canon de verre et le vigilance qui vont rajouter d'office 50 à 55% de dégâts des armes de base. Il y a... Euh, après ça, savoir. Donc, l'oblitération, je cherchais le nom. L'oblitération et la force irrésistible. L'oblitération, les coups critiques augmentent le total de dégâts des armes de 1% pendant 5 secondes. Si vous suivez le ratio que je vous ai donné de 50% de probas décrites de pour 150 de dégâts décrites, une balle sur deux fera du dégâts des critiques. Et donc, à chaque fois que vous allez tirer, vous allez augmenter vos dégâts des armes. En augmentant vos dégâts des armes, vous allez tuer les ennemis plus vite, et donc ce qui est pas mal, c'est d'ajouter soit le vigilance pour avoir un maximum de dégâts, soit le force irrésistible. Parce que le force irrésistible, plus vous allez tuer, plus vous allez faire de dégâts. 5% pendant 15 secondes peuvent se cumuler jusqu'à 5 fois. Donc, plus vous tirez, plus vous faites de dégâts, plus vous faites de dégâts, plus vous tuez, plus vous tuez, plus vous tirez, plus vous tuez, etc., etc. Donc c'est une boucle. Par contre, attention, si vous décidez de mettre le vigilance, 4, euh, une balle prise, le buff se désactive. Euh, le bouclier ne compte pas dans les balles prises, je précise. Donc, il y a plusieurs effets, il y a des mélanges intéressants. Infliger un effet d'état à un ennemi augmente les taux de dégâts de... et de réparation des compétences de 20% pendant 20 secondes. Donc, si vous jouez un build effet d'état, sous-choc peut être intéressant. Si vous jouez un build dégâts des compétences, un armement combiné peut être très intéressant. Si vous utilisez l'armement combiné, vous pourrez tirer sur un ennemi, ça va augmenter votre dégât des compétences. Et si en plus vous utilisez vos armes avec. Elles aussi, donc leurs attributs essentiels, leurs attributs et le reste, vous aurez une augmentation grâce au talent. Tirer sur des ennemis cumule des effets jusqu'à un maximum de 40. Chaque effet confère 1,5 de dégâts des compétences pendant 5 secondes. Donc, l'effet de l'armement combiné et du capacitor vont très bien ensemble. Et je me rends compte que j'avais oublié un détail. Euh, bien sûr, regardez les talents d'armes aussi et les attributs. Pour faire le plus de dégâts, un dégât sur cible non abritée sera plus efficace. Euh, con, 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 con. comme portée optimale mais ça c'est du classique un dégât de headshot sur un fusil sera mieux qu'un portée optimale etc etc il faut voir ce qui sera le mieux si vous jouez un build un sniper en attribut secondaire d'arme il faut du dégât de headshot, il faut un chasseur de tête sur le torse etc etc c'est à vous de voir ce qui vous va le mieux pensez à bien regarder que les attributs aillent dans le même sens que le build que vous voulez créer que les talents aillent aussi dans le même sens. Si vous euh, jouez un dégât de compétence, regardez vos attributs, dégâts de compétence, il faut que ça aille dans le même sens. C'est la base. Là, vous avez vraiment les bases avec la partie un peu plus complexe de gérer les talents aussi. Il faut que tout aille dans le même sens. D'ailleurs, on peut faire un petit récap euh, sur les talents d'armes et d'armure qui vont aller dans le sens de tel ou tel build selon moi. Je sais, ce ne sera peut-être pas la meilleure idée, mais pff, selon moi, ça peut être pas mal. Donc, si on prend les talents les talents de, de torse. Enfin, toujours les torses. Complémentarité. Euh, J'ai toujours pas trouvé d'utilité pour l'instant. Dynamisation. Euh, bonus augmente le total des dégâts de compétences et de réparation. Un build control peut être très intéressant. Parce qu'un control se jouera par exemple avec l'observation. Enfin avec l'observateur, avec l'impulsion. Euh, avec le brouilleur. Et le brouilleur va faire du dégât aux ennemis mécaniques. Aux chiens de guerre, aux tanks. Donc un brouilleur pourra être intéressant par exemple ici. Euh, chaque compétence génère un bonus cumulable si elle est active, si elle n'est pas en charge, etc. Chaque euh, bonus augmente les dégâts et les compétences de réparation. Si vous jouez un build contrôle, ça peut être très intéressant parce que vous allez jouer du soin et vous allez jouer du dégât de compétence. Si vous jouez doué, euh, n'importe quelle capacité, euh, enfin un dégât de compétence sera très bien. Observateur, ça peut vous faire un build euh, dégâts de compétence avec le brouilleur par exemple. Détermination empathique, très bien pour un build de soin. Puisque plus vous allez soigner les alliés, plus ils vont avoir de dégâts des compétences. Ça peut être très intéressant. Livraison explosive, si vous avez un build explosion compétence, ça peut être très intéressant aussi. Observation, c'est pour un build compétence. Pardon, je vais y arriver dans l'autre sens. Euh, L'intimidation, si vous avez des pièces spécifiques, vous pouvez avoir un très bon build dégâts. Parce qu'il existe des pièces, ou si vous jouez avec un tank qui joue la fierté de rejouer. Vous aurez régulièrement de la protection bonus. Et donc en jouant avec la protection bonus, vous aurez du dégât en plus. C'est un exemple. Un euh, peu la fierté de rejouer, pardon, c'est le... la protection tardigrade. Ouais, les noms, ça revient pas. L'avant-garde, si vous jouez bouclier, euh, si vous jouez un build tank bouclier, un avant-garde ou un avant-gardiste parfait sera très bien. Tout comme un incassable pour un build tank. L'incassable qui va vous redonner votre protection quand elle est détruite, et l'avant-gardiste parfait ou l'avant-garde, c'est un effet, quand vous allez sortir votre bouclier, ça vous protégera plus. Canon de verre, tout est dit, hein. c'est un... un canon. Mais c'était très fragile donc build dégâts très efficace. Peut-être aussi joué sur un build tank. Sur un build tank, si vous voulez augmenter grandement vos dégâts, vous rajoutez un canon de verre. Ça peut être très intéressant puisque le, le ratio du canon de verre en lui-même n'est pas énorme, c'est 50% de dégâts pris en plus. Rechargement protégé, ça peut être très intéressant sur un build tank. Dégainer, à vous de voir. Si vous jouez le backfire, ça peut être très intéressant puisque le backfire va demander de changer souvent d'arme. Donc, dégainer intéressant. Mise au point sur sniper dans l'idée, Étincelle sur un build avec le, la fierté de rejouer dans l'idée par exemple, ou la forme d'onde qui va si je ne m'abuse qui enflamme les ennemis aux alentours. Blesser un ennemi avec non pardon c'est pas celui-là que je cherchais c'est le c'est le c'est le putain c'est où c'est lequel bah il y en a un qui rajoute du dégâts avec les effets d'état je sais plus ah ouais, non c'est pas là. donc ça vous voyez comment vous voulez le jouer. Trauma pour infliger des effets d'état très intéressant. Oblitération pour un dégât c'est pas mal pour infliger des effets d'étape euh, la réaffectation peut être intéressante, donc build dégâts par exemple exploser build euh, dégâts de compétence build explosion peut être super intéressant efficace tank soutien ça peut être pas mal chasseur de tête c'est pour sniper retranchement euh, euh, sniper ça peut être aussi intéressant pour avoir un peu plus de vie la zone de défense c'est clairement pour un build compétence voilà dans l'idée chaque attribut va, avoir, va être sur le même principe voilà, dégâts de compétences, dégâts de compétences, dégâts de compétences aussi, mais effet d'état avec option effet d'état, euh, soutien. Euh, ça, ça peut être un build dégâts. Ça peut permettre d'avoir un peu plus de vie sur un build dégâts. Build dégâts, opportuniste. Euh ça peut être un build dégâts soutien qui peut être très intéressant. Build compétences, euh, build sniper. Infliger un effet d'état, donc ça peut être très bien sur un build d'effet d'état ou un build dégâts axé sur les effets d'état, tel que la fierté de Ridgeway, par exemple, qui va infliger un effet d'état sur chaque ennemi qu'on tire. Et donc là il y a 18% de, de dégâts des armes d'office. Euh, ça, ça peut permettre de stabiliser un build dégâts. Parce que les builds dégâts vont avoir beaucoup de probas et de dégâts des critiques. Donc un serment peut permettre de récupérer de la protection. Pousser d'adrénaline, ça peut permettre pareil de stabiliser un build dégâts. Galvanisation pour ajouter de l'effet d'état. Mort rampante. Euh, effet d'état maîtrise de soi dégâts force irrésistible dégâts polyvalence c'est dégâts aussi protecteur c'est bah c'est stabilisation de dégâts ou vie tout simplement sensu euh... hybride très bon pour un build hybride parce que ça, ça joue sur les deux parties éliminer un ennemi donc il faut du dégât renouvelle un effet cumulé de protection bonus ça joue sur la ville dégâts protecteur bah, voilà, c'est un peu le même principe que le que l'incassable le... mais avec la réparation de compétences donc, si jamais vous êtes un bon healer, vous jouez le protecteur, ça peut être pas mal. Parce que vous avez souvent beaucoup de protection quand vous êtes à l'arrière. Et là, vous pourrez réparer, mais violent. Calculer peut être intéressant pour un build compétence, tout simplement. Hein, puisque ça réduit le temps de recherche des compétences. Ça peut se jouer autant avec un healer qu'avec un dégât de compétence ou un effet d'état. Parce que le healer se jouera souvent avec la berceuse ou le bonne nuit qui va permettre d'éliminer des ennemis. Donc, ça peut d'office se jouer comme ça. Afflux d'énergie, euh, compétence, tout simplement. Voilà, donc chaque talent a son détail. On ne va pas tout détailler non plus, sinon l'épisode va durer 6 heures. Parce que si je commence à vous détailler chacun des 21 talents à chaque fois, ça va durer des plombs. Ben, honnêtement, dans l'idée, vous voyez un peu ce qui vous va. Il faut voir, il faut bien lire les effets. Si vous voyez que ça rajoute du dégât des compétences, vous vous axez sur un dégât des compétences, effet d'état etc. Vous voyez ce qui vous va le mieux, ce que vous pouvez créer avec ça. Et donc, une fois que vous maîtrisez à peu près tous ces points-là, vous allez pouvoir créer vos builds. Par exemple, le Foundry Boulevard que j'ai montré précédemment. Va être axé sur deux armes. Donc je me suis basé sur deux légendaires pour le créer, le backfire et la fierté de Ridgeway. Backfire va jouer sur le proba et dégâts des critiques. Donc j'ai augmenté au maximum mon proba et mon dégât des critiques. Sachant que je joue deux pistolets mitrailleurs. Je joue aussi donc le coup de froid, qui est pareil, qui euh, est son talent qui est axé sur le proba et dégâts des critiques. J'ai donc décidé de mettre du euh, Sokolov. Sokolov. Ouais, Sokolov qui va augmenter mon dégât des pistolets mitrailleurs. En Torse pour avoir un petit peu de régénération de vie, j'ai mis la fierté de rejouer puisque ça répare 3 à 48% de la protection par seconde pour chaque ennemi subi subissant un saignement situé à moins de 15 mètres. Donc, plus je tirais sur des ennemis, plus ils auront d'effet de saignement et plus j'aurai de régénération de protection. Donc, pour avoir un build hybride, j'ai augmenté ma vie euh, grâce aux fonderies Bulwark, qui va proposer de la régénération de protection, santé de bouclier, protection totale. Euh, quand vous, votre bouclier subissez des dégâts, etc., on récupère de la protection. Tout en axant quand même les attributs sur, le, sur du dégât des critiques et de la probabilité des critiques. Probabilité que j'ai d'office grâce au pistolet mitrailleur hein, qui me donne 21 de probas gratuitement. Voilà, dans l'idée, mon build hybride fonctionne de cette manière-là. Mes builds dégâts sont basés à peu près sur le même principe. Si on prend mon sniper que j'ai montré dans l'épisode, il est basé sur le tueur à la chaîne qui propose un chasseur de tête parfait. Donc. Si on tue un ennemi par un headshot, on bénéficie d'un bonus de 150% de dégâts des armes. Vous l'avez vu tout à l'heure, je suis passé de quelques millions de dégâts à 18, à 19 millions de dégâts grâce au chasseur de tête parfait. Pour augmenter encore le dégât, le vigilance parfait, 25% de dégâts cadeau. Sachant que quand je me prends une balle, je perds ce bonus. Le truc, c'est que je joue sniper, donc je suis censé être suffisamment à distance pour ne pas avoir ce problème-là. Après, si vous voulez jouer un hybride d'un autre type, vous pouvez très bien jouer le, me le Memento qui va être très sympa. Et ça, c'est du détail. Si vous voulez jouer avec la probabilité et le dégât des critiques comme je l'ai fait ici, j'ai rajouté le Masque du Coyote euh, qui va me rajouter soit de la proba, soit du dégât des critiques en fonction de la distance de mes ennemis. Sachant qu'à plus de 25 mètres, ce qui est le cas la plupart du temps, je prends 25% de proba des critiques. Donc là, on arrive à un taux de 50% de probabilité des critiques. Donc une balle sur deux, je fais 124 de dégâts des critiques. Et comme j'ai beaucoup de dégâts des headshots, je fais aussi 217,5 de dégâts des headshots. Donc c'est axé de cette manière-là. Je l'ai pris de cette manière-là. Sachant que j'utilise aussi l'effet euh, du mantis quand j'y pense. Puisque ça se joue avec le leurre, mais là c'est un peu plus compliqué. Ça je ne serais pas vous conseiller comment jouer réellement. Donc de toute manière, si vous jouez un build proba dégâts des critiques, euh, vous prenez le, euh, le masque du coyote et c'est réglé. Le masque du coyote qui s'obtenait dans la saison 1 et la saison 5, je précise. C'était des cadeaux de saison, je ne sais pas comment on les obtient autrement. Ensuite, pour un build dégâts de compétence, vous avez une méthode toute simple pour le créer, vous partez sur le vert. Même pour le build dégâts, hein. Pour le build dégâts, voilà, ça c'est un très bon build dégâts. C'est des pièces vertes, c'est très simple à obtenir. Pareil, dégâts des critiques, proba des critiques. Vous le le plus possible pour obtenir des stats à peu près correctes. Voilà, là, là c'est dégueulasse parce que je suis avec un... Ben, un fusil à pompe mais avec un pistolet mitrailleur on arrive sur un taux de 40% pour 164% sur lequel j'ai accès donc les dégâts des calibres 12 et des pm du fureur du chasseur quand je tue un ennemi à moins de 15 mètres tous les autres enfin tant que euh, ouais, voilà, les autres subissent un debuff qui augmente mon dégât des armes sur eux de 20% et en plus tous ceux qui sont dans la zone euh, autour de la celui que je tue euh, vont subir un debuff qui va les désorienter pendant quelques secondes ce qui est honnêtement très intéressant. Ça permet d'avoir un build dégâts qui possède de la régène grâce aux fureurs du chasseur et grâce à la fierté de Ridgeway. Puisque plus on va tirer sur les ennemis, plus on aura de chance de les tuer, plus on a de chance de les tuer, plus on a de régène, etc. C'est etc. un build qui se joue de cette manière-là. Le build chasseur est un build dégâts classique mais très très efficace PvE et PvP. J'ai fait le test en PvP, j'ai poutré quelques personnes et je me suis fait un petit peu insulter. Je ne vous le cache pas, j'ai eu une rencontre avec des Italiens. Euh, je crois que j'ai dû entendre dans le lot un de coulo ou de ce genre de choses quoi c'était la bonne ambiance la bonne ambiance c'est pour ça que je ne vais jamais en PvP d'ailleurs donc voilà pour des builds dégâts build dégâts de compétences même principe hein, comme je vous l'ai dit vous prenez euh, de, la pre de la récupération de compétences de dégâts des compétences et vous vous maxez sur les effets comme avec les pièces rigueur par exemple qui sont des plus efficaces ce que euh, juste euh, à titre d'illustration je vais vous montrer la ruche de dégâts qui fait un dégât assez conséquent enfin plus que conséquent Puisque je l'ai maxé vraiment dans l'ambiance. Sachant qu'il y a un conseil aussi qui est très important si vous voulez jouer la ruche. La ruche va être une, euh, une capacité très difficile à jouer parce que de base, elle a une euh, un durée de recharge qui est excessivement long. Non, là-bas. 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 Non merde, là-bas. Voilà, donc là, je suis dans la zone du spawn, donc c'est normal qu'il n'y ait pas beaucoup de temps de recharge. Fanal enfin, chantier. Enfin, mais vous voyez que les dégâts les dégâts de la ruche sont assez violents. Je suis à, aux alentours de 2 millions. Selon les mobs, je suis à 2 millions. Je vais arranger elle. On va essayer de bien la placer. 1 million, 1 million, la ruche. 1 million et je croyais que j'étais dans sa zone. Bon, bref, donc voilà. La ruche va fonctionner comme ça. Pour la ruche, il va falloir quasiment à chaque fois prendre les gants BTSU pour éviter d'avoir 3 minutes de temps de recharge. Comme vous le voyez ici, augmente de 15% la récup de compétences de la ruche. par Partir de compétences, 15% x 6, je vous laisse faire le calcul. Voilà, ça monte bien, ça monte bien, clairement. Et en plus, ça peut donner un effet de surcharge qui va augmenter l'efficacité de chacune des compétences quand on démonte ruche. Donc, c'est quelque chose de très très efficace. Au lieu d'avoir un temps de recharge de 3 minutes, j'ai un temps de recharge de 20 secondes sur une ruche qui a 18 aiguillons. Donc, oh, c'est tout à fait honnête. C'est pour ça que je joue les, la fierté, euh, gant de stratégie BTSU à chaque fois que je joue une ruche. Et pareil, j'ai accès à chaque fois sur le même type avec 4 pièces rigueur. Les gants straté stratégiques BTSU et une pièce Wyvern pour avoir un peu plus de dégâts des compétences. Ce qui en statistique donne 20% de probabilité de 75% puisque je ne suis pas sur un build dégâts, je m'en fous. Je ne suis pas non plus euh, sur un build vie. Voilà, donc ça on s'en fout pour l'instant. Donc j'ai pas beaucoup de vie. J'ai 1 million, santé, protection compris. Je joue pas à bouclier donc je m'en fous. C'est pas mon intérêt, mon intérêt c'est de rester en arrière, de rester à couvert. Donc sur la... Ça, ça nique mes stats à chaque fois ce chantier à la con. C'est chiant ce chantier. Excusez-moi, mais ça... Voilà, parce que là, j'étais marqué à 500 et c'est pas du tout. C'est pas ça en vrai. Voilà. Donc je suis à 94,6 pour 94,6. Ce qui donne une récup tout à fait correcte. 4 millions de santé, 911 000 de dégâts, 46 000 de, dé de dégâts de saignement. Dégâts JCJ, vous les avez là. Pareil pour la tourelle. Euh, 225 de durée, 5 millions de santé, 92 000 de dégâts. Sachant que vu la durée euh, qui est... Un petit peu conséquente, c'est intéressant. C'est intéressant. Voilà, c'est un build qui est facile, et bien sûr, j'ai mis le Capacitor qui va à chaque fois qu'on tire augmenter les dégâts des compétences et le dégât des armes, et ainsi que le Parfaitement Synchro. à chaque fois que je fais du dégât classique, j'augmente mon dégât des compétences. à chaque fois que je fais du dégât des compétences, j'augmente mon dégât classique. Si les deux sont en même temps, je double les effets. Donc au lieu de 20%, je passe à 40%. Ce qui est intéressant. Honnêtement, c'est très intéressant à jouer, sachant que l'attribut que j'ai sur l'harmonie est présent aussi, si je ne m'abuse, sur le sujet de test. Euh, Excusez-moi. Sachant que le sujet de test est une arme qui sera peut-être plus efficace pour vous à jouer. Mais ça, c'est à vous de voir. Bref. Et ensuite, pour le build tank, je vous l'ai déjà présenté, donc voilà, je ne vais pas vous le présenter plus. Euh, je pense que vous avez toutes les informations possibles, si jamais vous avez un doute. Si jamais vous avez mal compris ce que j'ai dit euh, ou autre, si jamais vous avez euh, des doutes, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Euh, J'essaierai de le corriger dans les prochains épisodes, mais sachez que euh, ceci reste ma version des faits, mon idée, mes idées. C'est comme ça que j'ai construit mes builds, mes builds qui me permettent de tenir dans des conditions souvent un peu simples, comme ce build-là qui m'a servi en légendaire et j'ai passé toutes les missions en légendaire grâce à ce build-là. Grâce à ce build-là parce que je l'ai axé pareil sur du dégât. Dégâts des armes. Là, j'ai même, je me suis même permis de rajouter euh, une pièce spécifique qui donne du dégât sur les cibles non abritées. Du Walker et Harris qui me donne 10% de dégâts euh, et de, euh, enfin, de dégâts purs puisqu'il y a du dégât et du dégât aux protections. Comme je joue majoritairement le coup de froid, je vais avoir euh, le, du Sokolov. Euh, je joue aussi donc l'oblitération et le force irrésistible puisque j'ai maxé mon proba et mon dégât des critiques. Comme ça, plus... Voilà, comme je l'ai expliqué précédemment. Et pour augmenter encore plus mon proba et mon dégât des critiques, j'ai aussi le masque du coyote. Ce qui donne du 51, 150. C'est pas le must, mais ça fait le taf. 103 pour 25. Voilà, donc c'est un dégât correct, c'est un build stable, etc. etc. Voilà, dans l'idée, vous avez, je pense, toutes les clés pour construire vos premiers builds, vos builds qui vous permettront d'avancer si vous débutez au niveau 40, ou si vous avez peut-être un peu du mal avec certains builds. Vous avez les idées de base, n'hésitez pas à regarder en commentaire si voilà, s'il y aura d'autres renseignements qui seront rajoutés au fur et à mesure. Euh, J'essaierai de les mettre en description aussi, bien sûr, parce que ce pas le commentaire que je voulais dire que je commence à fatiguer, mais bon, ça y est. Donc n'hésitez pas à checker dans la description, vous aurez toutes les infos euh, dites en vidéo les bases pour créer un build dégâts, des compétences, enfin un build compétences, c'est-à-dire la récup de compétences, et après l'accès selon ce qu'on veut, si on veut faire du dégâts avec la ruche, la tourelle. Il faudra, faudra mettre du dégât des compétences. Si on veut faire du dégât avec lance-flamme, ce sera de l'effet d'état. Si on veut soigner, ce sera de la euh, réparation de compétences. Si jamais vous voulez faire un build dégât, ce sera proba dégât des crits de base. Euh, si vous voulez rajouter euh, du sniper, ce sera du dégât des headshots. Si jamais vous voulez jouer de l'hybride, il faudra rajouter de la vie de temps en temps et rester dans le ratio proba dégât, ce sera pas mal. Ou dégât des headshots selon ce que vous jouez. Ne pas oublier non plus la prise en charge. Char oui, la prise en charge. Des talents d'armes et d'armure qui sont très très importants, des ensembles de marques aussi qui seront très importants à jouer, quel que soit le build et regardez que ça aille dans le sens de ce que vous voulez. Si vous voulez du dégât des compétences, ne mettez pas de l'oblitération, ça servira à rien, ça va augmenter le de dégât des armes. Si vous voulez du dégât des armes, ne mettez pas du soul choc, ça sera pas utile. Voilà, il faut toujours avoir des bases en fait pour la construction des builds et après faire faire ces mélanges. Moi j'ai fait mon mélange au tout début euh, sans regarder aucun build oblitération euh, force irrésistible que j'ai joué pendant très longtemps. Ensuite j'ai fait, quand j'ai croisé un un sniper, j'ai regardé son build et j'ai fait le canon de verre parfait, vigilance parfaite qui est arrivé que très récemment. Que j'ai aussi adapté en, en canon de verre parfait et serment parfait. Euh, vu que le serment parfait va me donner... Euh, vu que c'est un. Ces euh, il va me donner du, de la proba décrite, et avec la proba décrite, euh, plus j'ai de dégâts, plus j'ai de proba des critiques, pardon, plus j'ai de vie, en gros. Bref, euh, voilà, donc on va en profiter. Un bon joueur qui joue un full dégâts. Voilà, et lui, il joue un M4 de police, secret du chef, vigilance, parfait chasseur de tête, puisqu'il joue le secret du chef, ça va être très intéressant. Avec euh, des gants euh, stratégiques d'assaut pour du dégât des headshots et de la probabilité des critiques, exactement comme je vous l'ai dit. Il joue donc un Walker et Harris pour avoir du dégât, deux Walker et Harris pour avoir du dégât des armes et du dégât aux protections, et un Fenris pour avoir du dégât des fusils d'assaut. Là, vous avez un très 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 bon build de dégâts. Et en compétence, il va jouer le drone Frapper qui va mobiliser les ennemis euh, plus loin, qui va les euh, faire se concentrer sur le drone Frapper et la ruche de réanimation. Et comme vous. Euh voilà, donc, dans l'idée, ça, c'est un très bon build dégâts. C'est euh, un peu sur le principe de ce que je vous avais annoncé. C'est une, une très très bonne idée. C'est un très bon build qui joue. Voilà, mais comme je vous le disais, en fait, la ruche, 216 secondes de temps de recharge. C'est très long. C'est très très long. Voilà, bref. Bon, ben bah, les gens, j'espère que cet épisode vous aura plu. Je sais que pour les joueurs HL, c'est peut-être pas votre idée. C'est peut-être pas votre méthode, etc. etc. Je m'en excuse dans ces cas-là. Si vous voulez me dire en commentaire, n'hésitez pas, mais restez poli dans l'idée. N'allez pas commencer à insulter euh, des gens, mais insultez-moi en commentaire. Ça passera pas. Euh, le commentaire, il va pas rester 5 minutes. Dans l'idée, si je vois des insultes apparaître, ça va commencer à, ça, ça va pas me plaire. Donc, essayez de rester correct. Que ce soit dans, les... ah voilà. <laughs> Putain, j'étais parti chercher euh, du hardware tout à l'heure. Ah non, c'est pas la. Oh, je sais plus. Je parti chercher un truc. Bref. Voilà. Donc, pensez à bien regarder tout ça et vous arriverez à créer rapidement vos builds à vous. J'espère en tout cas que ça vous a plu et je vous donne rendez-vous à la prochaine. Allez-vous